Bonjour tout le monde. Ici, nous sommes le mercredi 23, si je ne me trompe pas. Oui, ça doit être ça. J'espère que vous allez bien. Donc, la dernière vidéo, c'était mes achats de nose avec les perforatrices. Alors, comme je vous avais dit, je ferai une démonstration. Alors, on va commencer par celle-ci, la petite. Alors, je vais faire un angle comme ceci. Regardez, petit angle là. Après, celle-ci, ce que j'avais vu, c'est qu'on peut enlever. Regardez, ou soit je le fais en angle, ou ça, je l'enlève. Je l'avais pas vu. Regardez, hop, comme ceci. Vous voyez? Et là, je l'ai. Je peux la faire comme ça, cette découpe. J'ai pas de force moi dans mes mains. C'est terrible de ne pas avoir de la force dans ses mains. Hein. C'est terrible. Alors je vais me mettre un peu debout parce que sinon moi j'ai pas assez de force. Voilà. Regardez. Vous voyez. On peut faire aussi cette découpe-là. Et ensuite, bah, vous pouvez remettre le système comme ceci. Hop. Il y a deux crans exprès. Et voilà, et ça vous refait donc votre angle ici. Voilà. Je vous dis que j'ai pas de force dans mes mains. C'est terrible. C'est terrible, terrible, terrible. Comme ceci. Je suis obligée de me mettre debout, moi. Oui, j'ai des problèmes avec mes articulations, donc voilà le pourquoi, le comment. Voilà, regardez, voyez? On refait comme ça. Ensuite, il y avait celle-ci, cette grande. Alors là, je vais vous prendre un autre papier. C'est celui-ci. On va bien voir. Je prends des petits morceaux de papier parce que sinon, des petits échantillons. Ah oui, mais vous voyez, moi j'ai pas de force, hein. C'est terrible. J'ai mal à mes poignets. Bah, ah oui, c'est vrai. Je fais des bêtises, je vais vous dire pourquoi. Il y a certains papiers où ça passe pas. Celui-là est trop épais. Voilà pourquoi. Il me faut un papier comme ceci, celui-ci. Celui-ci passe mieux parce qu'il est beaucoup plus fin. Parce que, regardez, vous avez vu la découpe? On peut faire comme ça aussi. Hein. Regardez. Si je le fais avec celui-ci de papier, qui est beaucoup plus fin. Voilà. Largement mieux. Vous voyez? Regardez. Avec le plus gros papier, moi, j'y arrive pas avec celle-ci. Est-ce que c'est parce qu'il y a trop de découpes, de petites découpes? Je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, je ne peux pas prendre un. Comment un papier supérieur, c'est pas possible. Avec les autres, si je peux, mais avec celle-ci, je ne peux pas. Mais en tout cas, ça fonctionne. Ensuite, j'ai celle-ci avec des notes de musique. Alors, avec les notes de musique, c'est pareil. Je peux la faire aussi avec ce papier-là aussi. Alors, je vais couper comme ceci. J'espère que vous voyez bien, parce que moi je vous dis, je suis obligée de me mettre debout, moi. Sinon, j'y arrive pas. Voilà. Regardez. Voyez? La note de musique, c'est impeccable. Aussi. Ensuite, j'avais les petits cœurs, l'alignement de petits cœurs. Alors, les petits cœurs, je ne sais plus si je. Je vais la faire avec celle-ci aussi. Est-ce que j'aurai assez? Je pense que oui. Je ne sais pas si j'aurai assez au niveau du papier, par contre. Peut-être. Je vais regarder. On va voir. Regardez.
Voyez, ça fonctionne bien, hein, il n'y a pas de souci. C'est moi qui fonctionne pas bien parce que j'ai mal à mes mains. Donc c'est pas évident. Il y a celle-ci aussi. Il y avait le dessin avec les fleurs, comme ceci. Alors avec le petit cœur. Bon, j'avais fait ici là-dessus. J'avais même fait l'angle complètement. Je ne sais pas si avec un plus grand carton, si je peux le faire, celle-ci, par contre. J'aurais bien essayé. Je ne sais pas, attendez. Là, parce que je le mets bien ou je ne le mets pas bien. Non. Celle-ci, elle va beaucoup mieux. Donc, pour moi, c'est vrai que c'est plus pratique pour moi pour appuyer. J'ai moins mal en faisant comme ça. Regardez. Vous voyez, la découpe, elle est faite. Hein. Il n'y a pas de souci. Donc, je pense que la prochaine fois, si j'en revois des comme ça avec... comment? Ben, ça doit être une petite règle exprès pour stopper au niveau du papier. Je prendrais plutôt celle-ci parce que je les ai mieux en main. Je peux le faire avec comme ça. Je ne suis pas obligée de poser sur la table et de me mettre debout. Elle est plus pratique pour moi celle-ci. Ensuite, il y a la grosse, celle-ci. Alors, je vais prendre un carton, peut-être celui-là, peut-être. Est-ce que je peux le faire avec celle-ci? Moi, je pense. Vous voyez, hop, c'est pareil, celle-ci, ça va beaucoup mieux. Alors, je vous explique à celle-ci, vous allez voir une vidéo, j'ai dû la démonter. J'ai eu un souci avec, à l'intérieur, il y avait une petite plaque de plastique qui était en train de se balader à l'intérieur, donc je n'arrivais plus à avoir la perfo qui se mettait bien. Impossible. Regardez, vous voyez, là c'est nickel et je le prends en main et je la fais comme ça, tout seul. Donc j'ai démonté, vous voyez, j'ai démonté les vis. Vous verrez la prochaine vidéo, je fais la démonstration et comment je l'ai réparé. Et nickel, 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 j'ai mis du W, comment, du WD-40 dedans. Et ben, regardez, ça fonctionne très très bien et j'ai pas de problème avec. Enfin, je n'ai plus de problème avec. Ça, c'est clair et net. Il y a des papiers, vous voyez, regardez, j'avais fait plein de découpes et c'était impeccable. Voilà. Bon, ben, écoutez, sur ce, ça c'est fait. Qu'est-ce que j'avais dit aussi que j'allais vous faire voir? Ben, la prochaine fois, je vous ferai la vidéo sur les dalles et les tampons que j'avais achetés au niveau d'Action et Noz. Ça, c'était le dernier que j'avais acheté à Noz. Je vous avais fait voir aussi, souvenez-vous. Voilà. Donc, je vous ferai voir les tampons pour une prochaine vidéo. Ou, oh, à la limite, oh, il n'y a pas grand-chose. Oh, bon, je vais aller chercher ma machine et puis mes encres et je vais vous le faire tout de suite. Je vous reprends après.